Professeur Nordeniessa, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est à pas sûr que l'Algérie se dirige vers la transition énergétique, déclaration du président de la République dans son message du 24 février, date de la nationalisation des hydrocarbures, le gaz. C'est le meilleur moyen pour aller vers cette transition énergétique, professeur Nordeniessa, puisqu'il est considéré comme étant un carburant propre et durable. Tout à fait. Le gaz naturel, il peut jouer un rôle important, notamment pour assurer la transition énergétique et à la fois assurer la sécurité énergétique. En tous les cas, le gaz naturel, avec le gaz naturel combiné, associé à l'énergie renouvelable, notamment le solaire, on peut atteindre les trois objectifs, à savoir la sécurité de l'approvisionnement, la croissance économique, et la protection de l'environnement. Alors, quelle sera sa portée par rapport à ce triptyque, justement, monsieur Yassa? Donc, le gaz naturel, relativement propre, c'est l'énergie la plus propre, l'énergie fossile la plus propre. Hein, parce qu'on le compare au pétrole et au charbon, pratiquement, juste pour un ordre de grandeur, hein, c'est par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, notamment le CO2. Le gaz naturel, on est à 440 grammes équivalent CO2 par kilowattheure. Le pétrole, on est à 750 et le charbon, on est un peu plus loin. C'est plus de 1000 grammes de CO2 équivalent. Donc c'est reconnu, c'est un gaz relativement propre, c'est l'énergie fossile la plus propre. Combiné avec l'énergie solaire, donc pour assurer la transition énergétique et pratiquement toutes les projections, toutes les tendances crédibles, hein, je parle des différentes projections, que ce soit bien sûr du forum de pays exportateurs de gaz, qui pratiquement prédisent qu'on est pratiquement à 23% de gaz naturel dans le mix énergétique mondial, et on va passer à pratiquement 26% à 2050. Et à partir de 2025, le gaz naturel va pratiquement déplacer le charbon, donc ça va être le deuxième source d'énergie après le pétrole, et à partir de 2040, il sera la première source d'énergie. Maintenant, pour les autres, notamment pour les autres projections, place toujours le gaz naturel comme allié de l'énergie renouvelable, notamment de l'énergie solaire photovoltaïque. Donc nous avons un couple qui va constituer pratiquement le mix énergétique mondial futur, c'est le gaz naturel avec l'énergie solaire. Donc le gaz naturel, il va un rôle important puisqu'il va pallier au problème de l'intermittence de l'énergie solaire, donc il va stabiliser le réseau, donc assurer une certaine flexibilité au réseau, en attendant bien sûr le développement des technologies de stockage à grande échelle pratiquement aussi le développement de l'hydrogène qui va aussi assurer cette stabilité et cette flexibilité. Mais si on prend en considération le contexte international actuel, quelle est la composition du mix énergétique mondial avec ses enjeux aujourd'hui, professeur Nordeniessa, puisque c'est des questions que vous maîtrisez depuis de longues dates? Pratiquement, bon, selon les bilans crédibles de 2022, ben, bien sûr, nous avons le pétrole à 31,6% de mix énergétique, le charbon il est à 26,7% et le gaz naturel 23%, bien sûr le renouvelable à 14% et le nucléaire il est à 4%. Maintenant, pour les projections, bien sûr, il y a différents scénarios. Donc, il y a bien sûr l'Agence internationale des énergies renouvelables, et bien sûr, donc, selon les projections, donc on aura une part importante des énergies renouvelables à partir de 2030. Mais pour le forum de pays exportateurs du gaz naturel, pratiquement, on va passer sur le premier. Donc, le gaz naturel va être à 26% en 2050. Deuxième, c'est le pétrole à 24% et le charbon viendra pratiquement à 13%. Maintenant, si je prends un autre scénario, une autre projection sur l'OPEC, bien sûr. Là, on est pratiquement à l'horizon 2045. Là, vous voyez, donc le pétrole, l'OPEC dépend plus le pétrole, donc on sera à 29,5% pour le pétrole, mais toujours avec le gaz naturel, il sera à 24,2% et le charbon de 15%. Maintenant, si je prends l'Agence internationale de l'énergie, l'AIU. Bien sûr, selon les prédictions, donc, pour eux, le gaz naturel et le pétrole atteindront le pic de consommation d'ici de 2030.
Mais je prends un peu, on fait une analyse, on a fait une analyse par rapport des différents scénarios. Je pense que le gaz naturel aura sa place dans le mix, dans le système énergétique mondial futur. Et donc, ils vont constituer pratiquement le socle donc de la transition énergétique à partir donc de 2040, où le gaz naturel prendra un peu le dessus, avec le développement donc des énergies renouvelables, l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert, et le développement aussi des technologies de stockage électrochimique, notamment à grande échelle. Alors justement, le gaz, il aura sa place dans le système énergétique mondial à horizon 2040, 2050, même bien au-delà, 2060. C'est ce que préconisent aujourd'hui les experts. Et on a vu la forte demande actuellement exprimée par rapport au gaz. La transition énergétique, c'est une question qui sera discutée et qui sera à l'ordre du jour lors du forum d'Alger qui va se tenir à partir de la fin de la semaine à Alger. Aujourd'hui, il y a ce dilemme entre la transition énergétique et la consommation de gaz, entre producteurs et bien sûr consommateurs. Comment aujourd'hui les pays producteurs peuvent défendre le principe du gaz qui est un carburant propre, puisque certains disent aujourd'hui que même la transition énergétique a des portées géopolitiques. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question, professeur Nordiniessa? Non, absolument. D'ailleurs, même les pays exportateurs de gaz, ils sont conscients de ces enjeux, notamment les enjeux donc les climatiques, empreintes carbone. Et d'ailleurs, ils préconisent dans leur rapport donc de développer des technologies pour rendre les usages de gaz naturel davantage plus propres. Et on parle ici des technologies de captage, de stockage et d'utilisation de carbone. Il y a aussi des solutions basées sur la nature. Dans le discours du président de la République, on a parlé un peu de la forestation, de l'implantation des arbres pour capter, pour compenser un petit peu les émissions de gaz à effet. Donc il y a des solutions basées sur la technologie, qui sont les technologies de captage, de stockage et d'utilisation de carbone. Il y a les solutions basées sur la nature, nature-based solution, c'est-à-dire c'est avec une forestation à grande échelle pour absorber, compenser un petit peu les émissions de carbone. Et il y a un autre aspect très important, d'ailleurs le forum de gaz exportateurs du gaz, le forum mondial des pays exportateurs de gaz parle aussi de développement de l'hydrogène à base du gaz naturel, mais l'hydrogène propre, c'est-à-dire l'hydrogène bleu, en développement toujours les technologies de captage et de séquestration de carbone. Mais comment défendre aujourd'hui ces principes que vous énoncez à l'instant, professeur Nordiniassa, quand vous avez les pays consommateurs, qui sont les pays de l'Occident, les pays en développement, veulent instaurer la taxe carbone? Et c'est un débat qui a été suscité et soulevé en 2015 et qui revient aujourd'hui encore une fois à l'ordre du jour. C'est les mécanismes d'ajustement taxe carbone, ce qui vont entrer normalement, notamment dans l'espace européen, à partir de 2026. C'est une sorte de menace pour les pays producteurs, exportateurs de gaz. Pas Ou que. de chantage. Mais là, les pays, bien sûr, les pays exportateurs s'adaptent aussi à ces. Donc, ils développent aussi ce qu'on appelle les mesures de riposte pour s'aligner à s'aligner à ces mesures, bien sûr en décarbonant, donc en développant les technologies de décarbonation pour être un peu au niveau donc pour un peu répondre à ces exigences. Mais il n'y C'est a des pas questions éminemment stratégiques. Stratégique, surtout De survie le aussi marché pour les pays européen. producteurs et Et consommateurs. d'ailleurs, bien sûr, les projections, on parle des tendances. Le futur marché du gaz naturel sera plutôt dans l'Asie Pacifique, notamment en Chine et en Inde. Et on va assister, selon toujours les projections, mais on a assisté l'année passée, entre pratiquement et juin 2023, un déclin de 13% par rapport au gaz naturel. Et on a même un déclin de 23% au niveau de l'Union européenne. Donc il y a une baisse de la demande, donc de la consommation du gaz naturel de 13% et de charbon de 23%. Et donc les futurs marchés du gaz naturel seront notamment dans les pays d'Asie Pacifique, notamment en Chine et en Inde, où il n'y a pas ces contraintes donc d'ajustement taxe carbone, empreinte carbone. Mais les pays, bien sûr, exportateurs du gaz, sont conscients de ces enjeux. Ils sont en train de développer des technologies, notamment
pour réduire et notamment aussi de compenser à travers la solution basée sur la nature, c'est-à-dire la forestation. Mais la transition énergétique, l'Algérie est pleinement engagée dans ce processus aujourd'hui. Il y a eu bien sûr la feuille de route qui a été déclinée à horizon 2030. Il y a aussi la feuille de route qui concerne l'hydrogène vert qui doit accompagner également cette transition énergétique. Mais cette transition énergétique, au-delà de l'aspect bien sûr de la sécurisation de la consommation de l'énergie, elle a aussi une portée économique stratégique aujourd'hui. Comment aujourd'hui la percevoir en termes de création d'emplois, création bien sûr de richesses et aussi délocalisation des entreprises productrices vers notre pays, monsieur Nordine Yassa? Absolument. Donc l'Algérie a l'avantage singulier d'avoir à la fois du gaz naturel et des ressources renouvelables solaires. Donc nous avons des avantages très comparatifs pour justement se lancer, donc changer un peu le paradigme. Au lieu d'exporter l'énergie sous forme primaire, sous forme de gaz naturel ou même sous forme d'électricité verte ou sous forme de l'hydrogène vert, donc c'est plutôt l'inverse. Donc on va d'ailleurs c'est les politiques, donc c'est un peu les orientations des pouvoirs publics pour capter. Maintenant nous avons le code d'investissement, nous avons aussi le code de la loi sur le foncier économique, c'est de capter les industriels pour créer de la valeur ajoutée en Algérie, ensemble, créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse et créer de l'emploi. D'autant plus, nous avons de la source énergétique. D'ailleurs, beaucoup de entreprises et beaucoup d'usines se déplacent, des industriels se déplacent là où il y a de l'énergie. Notamment maintenant, on voit une délocalisation des gigafactories de l'Europe vers les USA, vers l'Amérique. Parce que l'Amérique dispose aussi de l'énergie et de gaz naturel. Donc on peut aussi imaginer une autre approche où on va inviter notamment les industries de pointe, les industries donc de photovoltaïque, de l'industrie de l'éolien, de l'industrie de batterie de stockage d'énergie, même les industries de semi-conducteurs, parce que c'est des technologies qui sont très prisées à l'international, pour les implanter en Algérie où on a et l'énergie solaire et gaz naturel. Nous avons de cadres réglementaires et de codes d'investissement qui encouragent l'investissement et nous avons de la jeunesse très formée puisque nous avons des instituts maintenant spécialisés dans les énergies renouvelables, dans l'intelligence artificielle, dans les mathématiques et même dans les nanotechnologies. Mais quelle serait la portée un peu de ce projet aujourd'hui, monsieur Nordine Yassa, si on devait se référer à ce principe de délocalisation sur l'emploi et sur la valeur ajoutée? Est-ce que vous avez fait des évaluations ou des études concernant ces aspects-là au niveau du commissariat? Oui, mais nous avons les études, d'ailleurs même donc actuellement. Quelle serait sa portée économique? Économique, bien sûr, c'est des gigafactories, c'est des milliards de dollars. C'était en matière, donc bien sûr, on parle donc de la technologie photovoltaïque, on peut même faire des intégrations verticales, c'est-à-dire on va faire même descendre jusqu'à la matière première, à la silice. On fait même aussi pour les batteries de stockage, maintenant les batteries lithium-ion, nous avons aussi cette possibilité, les industries de semi-conducteurs qui sont très très demandées et donc pratiquement on peut même imaginer, parce qu'il y a une orientation pour faire un peu de la numérisation, parfois c'est la transition numérique, d'héberger des data centers qui consomment énormément d'énergie, même des clouds, puisque nous avons cette possibilité, cette abondance, l'abondance de l'énergie, abondance et accessibilité et même des prix abordables. Voilà, c'est-à-dire des avantages comparatifs, l'impact sur l'emploi, vous avez des estimations aujourd'hui, professeur Nordine Yassa? Bien sûr, bon, il y a certes des estimations par rapport un peu, bien sûr, c'est les emplois directs quand on déploie les projets des énergies renouvelables, mais il y a des emplois indirects aussi par rapport un peu les réalisations donc on peut imaginer des milliers d'emplois, hein, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans la réalisation des projets des énergies renouvelables. Alors, professeur Nordine Yassa, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects que nous avons abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, la transition énergétique, elle a une portée géopolitique, une portée également économique. Elle a des visées aussi inavouées de la part de ceux qui
qui voudraient aujourd'hui l'appliquer, appliquer notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la taxe carbone. L'Algérie pourrait être, vous l'avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction, un pays de délocalisation de premier choix pour les grands producteurs en raison, bien sûr, de la crise énergétique qui sévit actuellement au niveau mondial et le déclin en consommation de gaz dans les pays occidentaux, puisque la récession, elle est véritablement perceptible, notamment dans certains pays. On va citer par exemple l'Allemagne et la France qui ont opéré des coupes budgétaires conséquentes en raison justement de la hausse du prix du gaz. Cette délocalisation, comment l'entrevoir aujourd'hui de façon concrète, professeur Nordine Yassa, puisque nous avons des avantages comparatifs, le prix, le gaz déjà accessible avec son prix qui est extrêmement favorable. Votre réponse. Merci. Donc, nous avons un programme économique justement dans justement pour accompagner la transition énergétique, notamment avec le programme de 15 gigawatts. Donc nous avons des programmes. Donc on peut développer. Bon, bien sûr, nous avons un tissu industriel national très important. D'ailleurs, il est en train de croître. Donc nous pouvons aussi développer davantage ce tissu industriel, bien sûr en invitant donc ces industries pour s'installer en Algérie, pour produire aussi donc de toute la chaîne de valeur, que ce soit les panneaux solaires photovoltaïques avec, bien sûr, j'ai parlé de l'intégration, c'est-à-dire de passer, pourquoi pas, de la matière première jusqu'à le module photovoltaïque. Nous pouvons également développer une industrie dans le domaine des batteries de stockage lithium-ion qui sont utilisées à la fois dans les domaines énergétiques, pour le stockage d'énergie, mais ils peuvent ici également être utilisés dans la mobilité électrique, dans les véhicules électriques. Nous pouvons également, donc, bien sûr, il y a les autres segments, les ondileurs, nous pouvons aussi dans les semi-conducteurs. Donc il y a des champs, donc des nouvelles technologies, donc on peut, bien sûr, les éoliennes. Donc il y a des nouvelles filières technologiques où l'Algérie pourrait donc être un centre, un hub pour la production. Donc, actuellement, il y a pratiquement le marché est dominé par les produits chinois. Donc, c'est les Chinois qui pratiquement alimentent le marché mondial en matière donc de panneaux solaires, en matière de batteries, en matière même, on peut parler même des électrolyseurs pour la production de l'hydrogène vert. Donc, notre stratégie est d'être un peu le centre de ce nouveau centre, justement, pour aussi alimenter les pays, notamment le marché européen, le marché africain, puisqu'il y a des programmes aussi de développement des énergies renouvelables dans la région d'Afrique. Donc nous pouvons aussi donc être ce centre, cette usine du monde. Au lieu d'être un peu, maintenant on essaie un peu le centre d'approvisionnement en énergie, soit que ce soit le gaz naturel ou le pétrole, nous pouvons également être un centre pour bien sûr alimenter aussi bien le marché euro-méditerranéen ou le marché africain en matière donc des technologies de pointe. Mais tous ces aspects sont clairement portés dans la feuille de route du gouvernement Horizon 2030. Professeur Nordine Yassa. Il y a déjà des écosystèmes, il est en train de se mettre en place en matière donc de code d'investissement qui encourage l'investissement bien sûr national, public, privé, même les IDE étrangers. Il y a maintenant les facilitations qui sont accordées pour l'accès aux fonciers économiques, que ce soit industriel ou autre. Donc tous ces avantages combiné avec la vision de l'Algérie pour opérer cette transition énergétique, que ce soit pour les domaines des énergies renouvelables ou dans l'hydrogène notamment bleu et vert. Donc nous avons exprimé cette volonté même aux partenaires allemands. Donc au lieu d'exporter l'hydrogène avec tous les défis technologiques que ce soit sous forme à travers des gazoducs ou à travers d'autres formes avec les dérivés de l'hydrogène ou l'ammoniac ou les autres formes donc des dérivés, on peut imaginer donc de produire de l'hydrogène en Algérie et l'utiliser dans l'industrie
en Algérie pour produire de la valeur ajoutée. C'est des questions qui sont d'un enjeu crucial pour notre pays, puisque nous sommes d'abord producteurs de gaz et non pas de pétrole, prioritairement, même si nous produisons aussi du pétrole. L'économie du gaz, c'est une question aussi stratégique, parallèlement, professeur Nordinessa, pour pouvoir réaliser et mettre en œuvre cette feuille de route. C'est les deux piliers de la transition énergétique. Il y a bien sûr le développement des énergies renouvelables, pour justement diversifier nos ressources énergétiques et de sécurité, donc pour assurer notre sécurité énergétique à moyen et long terme. Le gaz naturel n'est pas renouvelable, il n'est pas, et bien que nous avons des ressources, on peut même développer, donc découvrir d'autres gisements, mais ce n'est pas durable. Donc il faut aussi, pour sécuriser notre sécurité énergétique à moyen et long terme, donc il faut diversifier notre ressource énergétique, et les énergies renouvelables, c'est un levier important pour diversifier. Maintenant, il y a un autre aspect très important, c'est un peu l'économie d'énergie et l'efficacité énergétique, et tous les bilans pratiquement depuis des années, chaque année, on enregistre une croissance pratiquement effrénée en matière de consommation, chaque année 5-6% d'augmentation. Donc la vision, donc de notre vision à très court terme, c'est de au moins stabiliser la consommation pour passer un peu à des croissances négatives. Il faut savoir aussi que pratiquement maintenant, le secteur, on a identifié les secteurs les plus énergivores qui consomment le plus. Donc pratiquement, c'est le ménage et le tertiaire. On est pratiquement à 47,5% de la consommation. C'est dans les ménages et tertiaires. Nous avons aussi 28,8% dans le secteur de transport. Le secteur industriel ne représente malheureusement que, qui crée de la valeur ajoutée, ne représente que 23,7%. Donc pratiquement entre le transport et les ménages, on est pratiquement à 76,3%. Donc il y a un effort important à consentir justement dans ces secteurs, notamment les secteurs de l'industrie. Il y a aussi un aspect que je souhaiterais vraiment souligner, parce qu'on est en période d'hiver, mais on a tendance que quand on parle de la consommation d'énergie dans le secteur des ménages, on parle que des climatisations, de l'électricité. Donc en hiver, on parle plus de la consommation, etc. Bien que on consomme du gaz pour le chauffage, etc. Et donc c'est l'occasion aussi de dire, donc de lancer un message qu'il faut aussi rationaliser la consommation du gaz, parce que la consommation du gaz en Algérie, elle dépasse la consommation de l'électricité. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement à cela, pratiquement, pratiquement le gaz, on consomme 43% et 30% pour l'électricité. Bon, pour les produits liquides, on est à 26%. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui aussi d'une politique intégrée qui doit aussi associer tous les segments d'activité et tous les secteurs, compris également, professeur Nordinessa, comme par exemple celui de la réalisation du logement. Il faudrait intégrer aujourd'hui des mécanismes qui permettent cette économie et cette efficacité énergétique. Justement, il y a les documents, les règlements techniques de bâtiments, il faut les respecter. Bien sûr, on a intégré maintenant dans les nouvelles constructions le double vitrage, peut-être faire davantage d'efforts justement pour assurer un confort. Pour ceux qui ont été réalisés précédemment. Pour assurer le confort, à la fois le confort hivernal et le confort estival, avec rationalisation de consommation. Parce que pour le confort hivernal, on utilise le chauffage, donc on consomme énormément du gaz. Et pour le confort estival, on utilise énormément de climatisation pour assurer justement, pour s'adapter un peu la haute de température. Et donc, il y a lieu donc déjà de l'isolation thermique. Bien sûr, il y a un investissement à faire, mais sur l'investissement, il y aura un retour d'investissement en matière donc d'économie d'énergie, mais bien d'autres solutions. Maintenant, il y a les technologies qui le permettent, bien sûr, avec les utilisations des équipements électrodomestiques qui consomment le moins. Également pour le secteur industriel, il faut surtout les secteurs qui consomment énormément. Donc il y a deux enjeux. Il y a le premier enjeu, c'est de réduire la consommation. Le deuxième enjeu, c'est comment se préparer à des éventuelles taxes carbone à partir de 2026, notamment que c'est le 2026, qui concerne les segments où sur lesquels l'Algérie s'appuie pour diversifier ses exportations. Le ciment, là c'est le verre, la dessus du verre, l'acier et les engrais. Donc ça, c'est là où l'Algérie est en train donc d'engranger un peu des devises et de diversifier ses exportations. Donc il faut aussi se mettre à niveau en matière donc de la consommation d'énergie
et en matière aussi donc d'empreinte carbone. Mais quand vous parlez bien sûr par rapport à la réalisation de logements du règlement technique qui est en vigueur actuellement, il s'applique à toutes les régions sans exception, professeur Nordine Yassa, ou spécifiquement aux régions à forte température, notamment en période estivale? Non, le règlement technique donc, des bâtiments doivent s'appliquer partout, d'ailleurs dans tous les... Parce qu'on a vu des hausses des températures qui touchent tout le territoire. Il faut peut-être pousser un peu la réglementation, parce que là on voit les chauffe-eau solaires ne sont pas vraiment développés en Algérie. Mmh. Peut-être c'est un moyen aussi de faire des économies, de donner davantage d'incitation, davantage d'encouragement pour justement la consommation du gaz. Là, c'est des consommations directes, c'est des réductions directes du gaz. Là aussi, les systèmes de photovoltaïque, il y a des orientations monsieur le Président de la République pour généraliser les systèmes solaires au niveau des administrations, mais ça n'a pas vraiment suivi ces orientations. On voit que bien qu'il y a des secteurs qui ont bien avancé, notamment dans les collectivités locales en matière donc de solarisation des écoles, on est pratiquement à 1000 écoles solarisées, mais on est en train de travailler avec le secteur de l'énergie et les autres secteurs pour mettre en place la réglementation, pour permettre un peu, on en parle toujours, l'injection de l'excès de l'énergie sur le réseau et le système de rémunération. Et c'est ça, ce qui va un peu booster. Et ça, c'est des leviers qui vont permettre un peu de faire des économies d'énergie. Donc si on combine la sobriété énergétique, c'est-à-dire comment se comporter vis-à-vis de la consommation d'énergie, avoir un comportement responsable en matière de consommation d'énergie, la mise en place des mesures d'efficacité et bien sûr l'installation des systèmes de chauffage pour les chauffe-eau solaires pour la chaleur et les systèmes solaires photovoltaïques pour la production d'électricité. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire à l'instant, professeur Nordine Yassa. Vous êtes en train de travailler conjointement avec le ministère de l'Énergie pour mettre en place le cadre juridique légal nécessaire pour, bien sûr, injecter le surplus de production de l'électricité dans le réseau domestique national, à savoir celui de Sonelgaz, puisque dans la loi de 2002, on a toujours dit qu'on avait la meilleure des lois, mais elle ne permettait pas, dans les textes d'application, d'injecter pour... c'est-à-dire même la consommation domestique et consommation aussi collective, hein, des collectivités locales, les établissements scolaires, les établissements sanitaires, d'injecter le surplus au niveau du réseau national. C'est la question sur laquelle vous êtes en train de travailler essentiellement et qui va booster justement ces énergies renouvelables à travers tout le territoire national, parce qu'on a quand même profiter. Je vous rassure qu'on a déjà atteint, maintenant les secteurs sont convaincus. Parce qu'avant, on avait un travail pour convaincre les secteurs que c'est important. C'est mais il faut passer à l'action. Maintenant, on est en train de faire, le document technique, le règlement technique, les grid codes, c'est le code réseau, et passer aussi à un système de rémunération. Et bien sûr la réglementation. Juste pour vous dire que l'année, j'ai consulté les derniers rapports, parce que je suis en train d'examiner, je suis un reviewer, un examinateur des rapports, pratiquement l'année 2023, 50% de la production solaire photovoltaïque, c'est pratiquement des décentralisés, c'est-à-dire sur les toits solaires, sur les bâtiments. À travers le monde, et un peu partout maintenant, en Italie, en Turquie, un peu partout, ça se développe, et ça permet de faire des économies substantielle en matière de consommation de gaz. Donc, ils sont en train de développer ces systèmes justement pour économiser la consommation de gaz. Là, c'est un levier pour nous également, pour faire des économies du gaz. Ce gaz peut être utilisé pour la pétrochimie et pour d'autres industries. Et l'exporter surtout. Et pour l'exporter ou bien pour aussi, nous avons donc pour les industriels qui vont s'installer en Algérie. Alors quand on parle d'économie, l'efficacité énergétique à la fois, professeur Nordine, est-ce qu'on peut considérer aussi parallèlement, puisque vous avez donné quand même des chiffres effrayants par rapport au niveau de la consommation domestique et industrielle et par rapport au secteur par exemple des transports, nous avoisinant plus de 60%, nous dépassant les 60%, est-ce que c'est pratiquement, il y a aussi la part du gaspillage dans cette consommation, les prix pratiqués pratiquement, mais donc là, on va lancer un peu la réflexion pour, bien sûr c'est un travail de fond, pour un peu maîtriser, rationaliser la consommation et éviter le gaspillage et donc utiliser l'énergie à ébullition justement pour créer
de la valeur ajoutée. Donc, comme vous l'avez bien dit, on est pratiquement à 76% dans les secteurs qui ne produisent pas de la valeur ajoutée, que ce soit les ménages ou le transport. Et le secteur industriel ne représente que 23%. Donc, il y a un effort important, bien sûr, pour... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé ce message. Les campagnes de sensibilisation pour la consommation ne doit pas concerner uniquement l'électricité en période estivale, mais elle doit concerner également la consommation du gaz en période hivernale. Alors, je voudrais revenir avec vous sur une question qui est aujourd'hui essentielle par rapport à cette taxe carbone qui veut être que les Occidentaux voudraient imposer à la fois aux producteurs de gaz et consommateurs à la fois, gros consommateurs de gaz ou essentiellement les producteurs de gaz. C'est la question de l'auditeur, professeur Nordiniesa. Pour la première étape, c'est la première étape à partir de 2026, il y a les produits qui sont les produits qui sont concernés. J'ai cité le ciment, et là nous avons un surplus de production, donc le ciment. Il y a l'acier et le fer qui sont concernés, il y a les engrais qui sont concernés, et le secteur de l'électricité et l'hydrogène. Donc ces secteurs-là sont concernés dans la première étape. Après, certainement, il va y avoir une révision pour toucher. Tous ces mécanismes, c'est pour un peu... ça rentre dans la compétitivité. Hein. Donc même nos industriels, s'ils se mettent à jour, ils se mettent à niveau en matière donc, de décarbonation, nous sommes en train de travailler avec le groupe je vais l'annoncer, on est en train de travailler avec le groupe GK, on a même signé une convention, on est en train de les accompagner pour les ciments, pour un peu décarboner, utiliser même pour valoriser les déchets, la valorisation énergétique des déchets, pour réduire la consommation du gaz. Donc il y a des leviers, il y a beaucoup de possibilités pour justement se mettre à niveau en matière donc de cette empreinte carbone, cette taxe carbone, qui risquerait d'être un frein pour un peu pour introduire nos produits sur le marché qui est proche, le marché européen. Bon, certainement peut-être dans d'autres marchés il y aura peut-être plus de flexibilité, mais par rapport un peu à la proximité de l'Algérie au marché européen, c'est des volets, des aspects qu'il faut vraiment prendre en considération pour assurer cette diversification de notre économie et diversification donc de nos exportations. Alors, bien sûr, cette taxe carbone pourrait compromettre nos exportations si elle venait à être appliquée. On l'a échappé en 2015-2016, mais les échéances ont été repoussées. L'Occident, bien sûr, va engranger de l'argent. Parallèlement, c'est devenu un enjeu extrêmement stratégique pour les pays producteurs de gaz qui doivent absolument se conformer à certains principes qui protègent aujourd'hui l'environnement. Oui, professeur Nordiniesa. Ça peut aussi représenter des opportunités, parce que pour nous, des opportunités pour faire des économies d'énergie, c'est des opportunités aussi pour d'introduire des énergies renouvelables, d'introduire des énergies, d'introduire des nouvelles technologies, de maîtriser, de faire des procédés industriels qui consomment moins d'énergie. C'est des opportunités également. Il ne faut pas le voir comme un frein ou des blocages, mais ça peut aussi représenter des opportunités pour nos industriels. Alors, autre question de l'auditeur, est-ce que le gaz traditionnel a de beaux jours, c'est-à-dire conventionnel, a de beaux jours devant lui avec l'avènement de l'hydrogène vert en Algérie ou ailleurs dans le monde? Professeur Nordiniesa. Ça, c'est un point très, très important. D'ailleurs, même les rapports, les différents, notamment les rapports de Forum des pays exportateurs du gaz, ils sont conscients des enjeux. Hein. Et donc, les conditions, on doit préparer les conditions pour rendre ce gaz naturel, rendre les usages du gaz naturel pérennes et durables. Et là, il faut introduire, encore une fois, les technologies de captage, de stockage et d'utilisation de carbone après la combustion, après l'utilisation du gaz naturel, c'est-à-dire après la combustion, puisqu'il y a un dégagement de CO2, donc il faut développer des technologies pour le capter, le stocker et l'utiliser. Et avant l'utilisation de gaz naturel, en le transformant en hydrogène bleu, c'est-à-dire en déployant les technologies de captage de carbone, le rendre l'hydrogène bleu, donc c'est le rendre énergie propre pour l'utiliser. Donc c'est les deux leviers sur lesquels d'ailleurs les prévisions de même le GECF table pour pérenniser un peu l'utilisation et les usages du carbone.
face aux pratiquement les politiques de neutralité carbone et les politiques de restriction, notamment climatique. Alors, quelle est la portée aujourd'hui économique et financière de l'exploitation des énergies renouvelables dans notre pays avec l'hydrogène vert à horizon 2050? Est-ce qu'on a estimé les revenus en hydrogène vert et en solaire aujourd'hui? Je pense que dans le rapport... Est-ce que ça sera équivalent à ce que nous avons en termes de revenus pétrole et gaz? 30 milliards de dollars ou 35 milliards de dollars annuellement. Peut-être nous, notre approche est un peu différente. Ce n'est pas si vous pérenniser un peu la rente. C'est-à-dire c'est, c'est important aussi pérenniser. Mais on peut aussi utiliser. Oui, bien sûr. Ça ne va pas être. Donc, si on développe de l'hydrogène vert ou de les énergies renouvelables, c'est pour un peu substituer un peu les exportations. Mais ça permet de dégager des volumes du gaz qu'on va continuer à exporter. Et donc, on peut toujours gagner de devises, mais on peut aussi utiliser ces leviers, donc l'énergie verte, pour justement développer un tissu industriel. C'est très important, donc, parce que là, l'enjeu, c'est comment verdir un peu les produits, comment rendre un peu tout ce qui est l'industrie un peu respectueuse vis-à-vis de l'environnement, mais vis-à-vis aussi des engagements climatiques. Et donc, nous avons ces opportunités. En combinant le couple gaz naturel et l'énergie solaire. C'est un peu la rente, elle va être c'est en exportant les produits finis, hein, c'est-à-dire les produits manufacturés en matière de panneaux solaires, des batteries, des produits de technologies de pointe, etc. Toute cette industrie doit être mise en place dès maintenant. Impérativement. Pour ne pas revenir au principe du SKD-CKD. On doit aussi. Les acteurs industriels doivent approcher leurs homologues de l'autre côté pour les inciter à s'installer en Algérie avec tous les avantages, bien sûr, que ce soit réglementaire, législatif ou même énergétique, et même avec la disponibilité de foncier industriel économique. Et le prix du gaz qui est très concurrentiel. Alors la réalité dit que les coûts de l'installation d'un système solaire et surtout sa maintenance coûtent 8 fois plus qu'une consommation conventionnelle, l'état d'économie et le consommateur pas. Quelle est votre réponse? C'était il y a quelques années. Ça me rappelle la première question que vous m'avez posée en 2011 ou 2012. Ouais. Là vraiment... Ça s'est démocratisé totalement. Non, mais surtout cette année. Cette année, il m'a un peu donné l'occasion de parler. Vous voyez, il y a une guerre commerciale entre la Chine et les pays européens, notamment en matière donc de panneaux solaires photovoltaïques. Donc les prix de panneaux photovoltaïques, ils ont descendu à un pas vraiment historique, un record. Pratiquement, ils sont les moins chers possibles. D'ailleurs, c'est pour casser un peu l'industrie européenne, l'industrie chinoise donc de panneaux photovoltaïques. Pratiquement, on a une surabondance de panneaux solaires et le coût des panneaux solaires a vraiment chuté d'une manière vraiment drastique. Donc vraiment, c'est l'opportunité aussi donc de développer un peu, de déployer nos programmes, parce que le coût de photo, d'ailleurs même les derniers appels d'offres ont montré que quand même on est descendu à 600 millions de dollars le gigawattheure. C'est un peu un record, hein. C'est des niveaux très très bas. Mais les questions aujourd'hui de changement climatique, ils auront des coûts à l'avenir? Il y a des coûts, bien sûr, mais il y a des opportunités. Il y a des opportunités pour nous, puisque nous avons nous avons le potentiel, nous avons le gisement. Donc on peut aussi utiliser, puisque les ambitions à l'horizon 2030 de tripler les capacités d'énergie renouvelable, on est pratiquement à 3100 gigawatts. On va dépasser les 10 000 gigawatts en 2030. C'est des marchés. Et si on installe cette industrie en Algérie, c'est des marchés. Donc pour nous, c'est des opportunités, que ce soit pour le solaire ou les batteries ou les autres chaînes de valeur. Alors pourquoi l'Algérie n'a jamais exploité son potentiel en énergie marine renouvelable, courant, vague, vent, salinité, énergie de biomasse? La priorité, c'est que nous avons une énergie solaire, elle est abondante, elle est omniprésente. Même en hiver, on a du soleil tout au long de l'année. Déjà, profitons déjà d'exploiter un peu le solaire qui est un peu partout et sans contrainte. Et donc la technologie a
est maîtrisée et très abordable. Professeur Nordine Yassa, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Merci à vous, bon courage. Journée. Merci.